La ligne bleue, lundi le 30 mars 2020, spécial le confinement, deuxième portion de cette série d'entrevues qu'on fait avec des étudiants athlètes des Carabins qui sont comme nous tous, comme tout le Québec, comme le reste de la planète en confinement, pour apprendre à connaître leur histoire, parce qu'on prend le temps qu'ils nous donnent à notre disposition pour apprendre la belle histoire de nos étudiants athlètes. Donc, avec moi aujourd'hui, il y a mon complice de tous les jours, Raphaël Bergeron-Gosselin. Bonjour Raphaël. Hello. Et notre invité du jour, Louis-Philippe Savoie, de l'équipe de rugby et athlétisme et jadis cheerleading des Carabins. Louis-Philippe, bonjour. Salut. Donc, c'est la raison pour laquelle on t'a invité aujourd'hui, parce que tu sembles être probablement l'homme le plus intéressant de toute la grande famille des Carabins, de par cette polyvalence. Il y avait la fameuse... C'est une compagnie de bière qui avait ça comme l'homme le plus intéressant sur Terre. Exactement. Toi, tu sembles être le gars le plus intéressant de toute la grande famille des Carabins, parce qu'on a déjà vu des athlètes faire pratiquer deux sports carabins. Justement, tu n'es pas le seul transfuge carabin, rugby, athlétisme, mais le cheer en plus. Raconte-moi tout d'abord d'où te vient cette curiosité de pratiquer autant de sports. Je ne sais pas si c'est une curiosité ou c'est plus un... Je suis quelqu'un qui n'est pas capable de rester assis à rien faire. J'étais en off-season de rugby, j'ai décidé de commencer de l'athlétisme parce qu'on me l'a proposé. Je suis quelqu'un qui n'est pas capable de rester à rien faire. C'est plus ça qu'une polyvalence, qu'un intérêt particulier, là. Mais il y a certainement une curiosité, parce qu'il faut le dire, donc, en athlétisme, pardon, tu te spécialises dans le lancer du poids. Exact. Voilà. Poids et marteau, donc, les deux. Poids et marteau, OK. Donc, c'est sûr qu'évidemment, un colosse comme toi, un gars de bon gabarit quand même, est prisé, oui, en rugby, en athlétisme, mais aussi en cheer jadis pour tout ce qui est porté et tout. Cette force physique-là doit être recherchée chez tous les entraîneurs. Oui, c'est sûr que ça l'aide. J'ai un bon background d'entraînement physique, puis j'ai une bonne forme aussi, des bonnes génétiques. J'ai gagné là-dessus. Génial. Ben justement, donc, OK, on va commencer par le commencement. Là, raconte-nous, étant jeune, avant d'arriver à l'Université de Montréal et dans ton collège polytechnique, comment tu s'est dessiné ce parcours sportif pour toi? Ben écoute, quand j'étais tout petit, je jouais au soccer, comme à peu près tous les gars l'été. Puis ouais. L'hiver, ben, comme n'importe quel Québécois, c'est soit le ski, soit le hockey. Moi, je faisais du ski. Donc, j'étais quand même assez actif dans ce temps-là. Rendu au secondaire, avec l'éducation physique, on a essayé plusieurs sports. J'aimais bien le volleyball, je jouais encore au soccer beaucoup. Mais je pense que c'est au cégep que j'ai commencé à faire un petit peu plus de diversité. J'étais à Vanier, au collège Vanier. J'étais dans l'équipe de cheerleading et dans l'équipe de volleyball en même temps. Donc, je me gardais occupé déjà là. Puis mon plan à la base, c'était de rentrer carabin volleyball. Puis ça ne l'a pas donné, j'ai pas réussi à faire les bons contacts, etc. Je suis rentré par hasard comme carabin cheerleading. Donc, pendant les initiations à Polytechnique, ben, il y avait l'équipe de cheer qui était là pour faire la promotion des matchs de foot. Donc, j'étais allé jaser avec eux autres, je leur ai dit que j'en avais déjà fait. Puis après 3 heures environ, j'étais rendu dans l'équipe de cheer. Juste comme ça, voilà, tu as bien dans l'équipe de cheer où tu as passé 3 saisons. Ouais. Si je ne me trompe pas, de 2014 à 2017. Évidemment, notre équipe de cheer se positionne toujours parmi les meilleurs, si ce n'est pas la meilleure dans la province, dépendant des années. Ça a été quoi comme expérience pour toi ces 3 années-là avec l'équipe de cheer? C'est une très belle expérience, la grosse esprit d'équipe. Ce qui est intéressant du cheerleading, c'est que tout le monde est pas mal essentiel. Fait qu'il n'y a pas d'excuse de manquer une pratique ou de quoi que ce soit. Ouais. T'sais, dans les autres sports, au rugby, si je ne suis pas là, il y a quelqu'un d'autre qui peut jouer à ma place pendant une pratique. Au lancer du poids, si je manque une pratique, ben c'est juste moi que ça l'a fait. Au cheerleading, si je suis pas là, ben mon stunt, mon groupe de 3 ou 4 personnes ne peut pas autant pratiquer. Les pyramides, etc., il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire si une personne n'est pas là. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant du cheerleading. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Et donc, à la fin de la saison 2016-2017, tu décides de passer au rugby, parce que là, c'était la fin de ta carrière de cheer. Comment ça s'est passé, ce processus-là? T'as un intérêt pour le rugby, tu as regardé ça à la télé. Comment tu as découvert ça, finalement? Bien, ça se passe. Carabin, c'est pas juste durant les pratiques, durant les matchs, etc. Là, il y a beaucoup d'activités para-carabin où est-ce que tu vois les autres équipes. Je passais beaucoup de temps avec les gars de rugby déjà. J'ai discuté beaucoup avec eux autres. Puis en cheerleading, j'arrivais à une étape où est-ce que, en tant qu'athlète, j'avais plus l'impression que je pouvais m'améliorer encore en restant cheerleading carabin. Dans le fond, en cheerleading, tu as plusieurs différentes
manière de le faire. Souvent, tu as trois personnes en dessous, trois bases en dessous de la voltige, la fille qu'on lance dans les airs. Moi, ce que je fais plus, c'est tout seul en dessous de la voltige. Puis ça, ben c'est sûr que c'est plus risqué pour d'un point de vue de point, là, de manquer des. D'échapper la voltige, dans le fond. Fait que c'est pas quelque chose qu'on veut faire nécessairement en tant que carabin, parce que ça peut nous apporter plus de risques. Okay. Donc, moi, je voulais me diriger un petit peu plus vers là, puis j'en fais encore d'ailleurs, mais carabin, c'était plus le niveau pour moi. J'étais plus intéressé à rester là-dedans. Et je me suis dit d'un coup de tête que j'allais essayer le rugby à la place. C'est un sport que tu n'avais jamais pratiqué de ta vie? Jamais. Okay. J'avais joué un petit peu au football au secondaire, mais je me suis dit ça doit ressembler, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Les gars me disent que j'ai un bon gabarit pour. J'ai pratiqué quelques passes avec eux autres, je suis capable de tirer un ballon ovale. Ouais. Ça... exact. C'est ça que je me demandais. Oui. Ben, je me demandais parce que le rugby, c'est souvent un sport au Québec qu'on regarde, puis que à moins que tu sois un passionné ou que, bref, dans la famille, il y a des gens qui ont joué, c'est que les gens, on est moins habitué ici, on ne comprend pas toutes les subtilités des règles, on comprend. Quelqu'un qui est juste hors de sport en général. Il y a souvent des petites subtilités qui nous échappent. Tout est arrivé comme ça. Puis, ou autre, c'est un ballon, de faire une passe, de plaquer quelqu'un. Mais de là à jouer au niveau universitaire, ça a fonctionné. C'est quoi ça s'est passé? Ouais, c'est sûr que ça a été difficile. Au rugby, regarde, en gros, tu as deux groupes de personnes. Tu as les gros en avant, puis tu as les trois quarts en arrière. On dit les trois quarts parce que c'est à peu près trois quarts d'un gros. Là, c'est peut-être plus la moitié de moi, en fait. Notre collègue Laurence, qui est une ancienne carabin rugby, nous avait expliqué ça avec des animaux. Hein, parce que pendant la Coupe du Monde au Japon, il y avait fait un schéma avec des animaux. Là. Fait que je pense que tu étais dans les lions, non, je ne me trompe pas. En tout cas, bref, un gros à l'avant. Un hippopotame. Fait que, dans le fond, les gros, leur job, c'est de prendre le ballon puis de foncer de tête baissée comme des cons un peu. Fait que ça, c'est pas trop, trop dur à apprendre. Les règlements, même encore aujourd'hui, il y en a certains qui m'échappent, puis ça fait partie du sport. Il y a des fois, les arbitres font des calls, puis on comprend pas trop, on sait pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est un apprentissage. Ce qui est plus dur, c'est la vision de jeu, dans le fond. C'est de voir où se placer. Parce que contrairement au football, c'est sans arrêt pendant 2 fois 40 minutes. Fait que si tu cours comme un con parce que tu ne sais pas où te placer, ben, tu vas finir soufflé assez rapidement. Oui, exactement. Il y a beaucoup de subtilités. C'est un sport qui a des similitudes, certes, mais vraiment avec ces techniques très propres qui doivent prendre un temps. C'est sûr, quand tu commences à un niveau universitaire où tu n'es pas parmi des gens qui commencent, tu n'étais pas dans un cours de débutant, initiation 101, tu étais dans une ligue universitaire quand même. Et chapeau à toi, parce que tu vois, à ta troisième saison cette année, tu as été quand même nommé sur la première équipe d'étoiles du circuit universitaire québécois du RSEQ. Ça veut quand même dire que tu as eu une excellente saison. Félicitations. Merci. Justement, ta progression, tu la vois comment dans tout ça pour en arriver à quand même une belle nomination là, sur l'équipe d'étoiles? Je pense que ça a été beaucoup de travail sur le terrain puis en dehors du terrain. Il y a beaucoup des gars de l'équipe de rugby qui m'ont aidé là-dedans. Il y a beaucoup de gars qui sont plus qui ont commencé à jouer au rugby quand ils avaient 4 ou 5 ans là, en France. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont capables de m'apporter un petit peu plus un côté technique, parce que le côté physique, je l'ai présentement. Ça, c'est pas trop stressant pour moi. Mais le côté plus technique, vision de jeu, c'est beaucoup de regarder des vidéos de rugby, du placement pour savoir comment se placer sur le terrain puis comment bien interagir avec les autres. C'est un peu ça aussi, finalement, qui est ta signature dans tout ce cheminement-là. C'est cette curiosité-là qui te permet d'aller écouter des vidéos en ligne, des tutoriels, apprendre, poser des questions aux gens autour de toi. Oui, bien, c'est quand je commence de quoi de nouveau puis je deviens passionné là-dedans, j'ai du temps à mettre, ça n'a pas d'allure. Là. Et là, donc, ta nouvelle passion, c'est l'athlétisme. Une de tes nouvelles passions, je ne vais pas dire que c'est la seule, mais une de tes nouvelles passions, c'est l'athlétisme. Donc, comme certains joueurs de rugby l'ont fait auparavant et joueuses de rugby l'ont fait auparavant, donc, tu te spécialises aussi également dans le lancer du poids, lancer du marteau. Pour le commun des mortels, ça a l'air comme pas facile, mais tu sais, OK, tu lances un objet loin, là, mais comme c'est beaucoup de technique, là. Moi, je n'ai jamais parlé à aucun lanceur de poids ou de marteau dans ma vie auparavant. Donc, je t'invite à m'expliquer comment on fait pour apprendre ce sport. Écoute, prends pas mon mot à 100% là-dessus. J'ai fait à peu près 5 semaines de lancer du poids. Donc, je suis encore un débutant là-dedans. Mais pour te donner une idée, au début, quand j'ai commencé à lancer, je lançais à peu près 8 mètres. Puis vers la fin, c'était plus autour de 12 mètres. Donc, avec pas mal de technique, il y a quand même une bonne amélioration. Fait que c'est un sport qui est pas si développé que ça quand même au niveau du Québec. En Ontario, ils sont un peu plus forts, mais au niveau du Québec, c'est pas si développé que ça. Avec le
Oui, vas-y. Non, ben excuse-moi, je dis parce que c'est pas en 5 semaines que tu as pris tellement de force que tu as lancé 4-5 mètres de plus. Là. C'est vraiment le. Non, c'est de la technique. Oui. Oui, c'est vraiment de la technique, c'est des pratiques 4, 5, 6 jours semaine. C'est répéter tout le temps le même mouvement parce que j'imagine le moment où tu lâches l'objet qui va déterminer un peu sa trajectoire. Oui, exact. Il y a plusieurs techniques de lancer du poids. Donc, c'est pas juste le fait de le pousser, mais c'est aussi un mouvement de jambe là-dedans. Là. C'est un transfert de poids, déplacer les jambes. Donc, c'est assez technique là-dessus. C'est beaucoup de vidéos, de regarder ce que j'ai fait, de comment je peux l'améliorer. Ça a été du travail là-dessus. Là. Donc, voilà que tu as déjà porté 3 uniformes différents en carabin. J'ai vu que tu étais à ta 3e année d'éligibilité au niveau du rugby, mais je ne sais pas combien de temps il te reste à ton parcours universitaire dans toutes tes études. Est-ce qu'il te reste encore du temps avec nous? Écoute, ça, c'est à voir. En théorie, avec mes 3 années de cheerleading puis mes 2 années d'éligibilité de rugby, je suis rendu à 5 ans, qui est le maximum de RSEQ. Ah, OK. Mais par contre, il y a eu des discussions par rapport à l'annulation des années d'éligibilité à cause du coronavirus. Écoute, je ne sais pas, je suis ouvert l'année prochaine. Donc, en tu pourrais théorie, revenir si elle n'est pas reconnue, ton année actuelle. Exact. Donc, je finis mon bac cette année, mais il n'y a rien qui m'empêcherait de prendre des cours supplémentaires pour donner une année de plus au bleu, autant en rugby qu'en athlétisme. Ah, c'est ça que j'allais dire. OK, ça répond à ma question. Si tu devais avoir une année de plus, est-ce que tu essaies un nouveau sport ou tu restes avec tes sports actuels? Ben, écoute, s'il y a une ouverture vers un autre sport, puis j'ai le potentiel de le faire peut-être, mais je penserais pas. D'après moi, je vais rester vraiment là dans les sports déjà connus. Là. Ah, on va appeler Gazi, on va lui demander là, si tu peux rentrer en équipe de volleyball maintenant pour compléter. Non, je suis trop lourd. Ah ouais, c'est ça, là, avec le temps, ça a changé. Ouais, ouais. Mais il y a eu des temps que je suis encore en communication avec la coach de cheerleading. Il y a eu des discussions par rapport à que je puisse remplacer à cause qu'un athlète s'était blessé. Là. Que j'aurais peut-être pu faire les 3 sports dans la même année, j'imagine. Oui, c'est vrai, c'est ça, parce qu'effectivement, les championnats provinciaux, malheureusement, ont été annulés en raison de la crise du COVID-19, mais il restait effectivement une compétition calendrier de cheer à RSEQ. Exact. Ça aurait été vraiment incroyable. Je suis pas mal sûr que ça aurait été un record, je pense. Je pense que équipes carabins dans la même saison. 3 sports, ça s'est déjà fait, je suis pas le premier, mais 3 dans la même saison, ça, c'est une autre histoire. Tu as déjà entendu parler d'histoire de 3 sports dans le carabin? Oui, il y a Hermès Zepeta qui avait fait football, rugby et athlétisme aussi. Oui, c'est vrai. Okay. Mais lui, c'était pas en lancer du poids, par contre. Lui, il court vite en maudit. Ah, mais tant mieux. Non, mais c'était une belle histoire. Je trouvais ça intéressant. Puis aussi, je pense que ça démontre pas juste de la polyvalence, mais un peu de la curiosité. Puis c'est un beau trait de personnalité quand même dans la vie que d'avoir envie de toujours découvrir des belles choses. Je suis pas mal sûr que ça va t'aider dans ta carrière professionnelle aussi, ce côté curieux-là et cette capacité de s'adapter à de nouveaux environnements. J'espère. Tant mieux. Ben écoute, merci beaucoup, Louis-Philippe, de nous avoir raconté ton histoire aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant. Puis, ouais. Évidemment, que ce soit ou non avec un uniforme des carabins l'année prochaine, on te souhaite bonne chance pour la suite des choses. Merci pour tout ce que tu as donné aussi à l'organisation dans ces 5 belles années-là déjà. Merci beaucoup. Puis, au plaisir vraiment de te revoir, soit sur les lignes de côté ou sur un terrain des carabins. Merci à toi. Passe une bonne fin de journée. Salut, bye. Bye.